Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers abonnés, chers viewers, chers simsœurs et simsettes. Soyez les bienvenus aujourd'hui pour un nouvel épisode sur les Sims 4. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Car aujourd'hui, les amis, j'ai prévu un petit épisode, comme d'habitude, assez sympatoche. Sauf que là, nous n'utiliserons pas le DLC, les bains à remous. Le kit d'objets, ambiance spatiaux. Je vous en parlerai durant l'épisode, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je n'utilise pas. Donc sans plus tarder les amis, nous allons tout de suite rejoindre notre grand ami et agréable Raftouille qui est tout seul dans sa grande ville et que je souhaite bien faire déménager aujourd'hui parce que, sincèrement, entre nous, j'en ai marre de sa maison. Voilà, j'en ai marre parce que elle est bien, mais voilà quoi, c'est vrai qu'on n'est pas des super riches, voilà quoi, on n'a pas énormément d'argent, on n'a pas tout ça, mais... Je trouve que quand même on commence un petit peu à s'ennuyer là-dedans, entre quatre murs, toujours les mêmes murs, les mêmes machins. Même si je sais, vous allez me dire, mais tu peux refaire la déco, Raph. Oui, certes, je peux refaire la déco, mais je ne la referai pas. Pas dans celle-ci de maison, je préfère vraiment, comme je vous avais promis la dernière fois, de déménager, changer de ville. Et comme, depuis la dernière mise à jour, pas celle-ci mais l'autre, on avait eu la nouvelle ville de Newcrest, je compte bien... Cette fois-ci, y aller pour voir un petit peu ce que cette super ville nous promet, quoi. Peut-être qu'on peut avoir des belles, on peut construire une belle maison là-bas. On peut avoir peut-être des animations, peut-être qu'on n'a pas, hein. Tout simplement, comme la pêche, on a déjà, ça c'est sûr. Mais il y a peut-être d'autres choses qu'on n'a pas vues, tout simplement. Donc le mieux à faire, et vous me direz si j'ai tort, c'est d'y aller. Et puis après, on verra si on a les moyens de se faire des vacances aussi, aller au camping un petit peu, parce que comme on a DLC camping, il faut en profiter un petit peu. Ce beau DLC camping qui est quand même assez sympa parce que quand je pars sur le reste des autres DLC, bon, bien sûr, DLC au camping, destination nature, voilà, si vous préférez, au travail, tout ça, ça, ce sont des très très bons DLC et soirée de luxe aussi. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce qu'on a quand même pas mal de beaux meubles et de beaux vêtements. Mais alors, le DLC patio, excusez-moi, mais je vous le dis ouvertement, à quoi il sert? À rien, à rien, juste si. À nous faire payer 10 euros un DLC qui ne sert à rien. Alors, franchement, entre nous, entre vous et moi, je vais vous dire un truc qui je sais pas si je vais avoir tort spécialement. Alors, oh là là, ça lag, qu'est-ce qui se passe? Mon jeu ne lag pas d'habitude comme ça, surtout que j'ai amélioré la performance PC. J'ai quand même monté à 16 gigas le PC. Donc, vous voyez, de RAM, bon, bien sûr, c'est pas énorme, mais bon, quand même, j'ai une bonne carte graphique. Enfin, bref, je vais pas revenir sur les détails de ça parce qu'on l'a déjà fait. Donc, ce sera un peu saoulant. Donc, eh ben, écoutez, on va lui faire à manger vite fait, hein, avant qu'il commence à faire un petit peu autre chose. Son lit, fromage fondu, ouais, pourquoi pas. On a combien? 2324 €. Je parle en euros au lieu de Simflouz parce que je suis pas m'emmerder à dire Simflouz. Aujourd'hui, je suis très dans le domaine, je n'en m'emmerde pas. Voilà, au moins comme ça on fait très clair, très simple, très précis. Pourquoi se prendre la tête quand on peut faire simple? Le jeu lag, c'est pas souvent. Désolé pour les bruits de garage, hein, ce n'est pas voulu. Bidouiller, écouter, allumer, classique, alternatif, pop. Ah, elle a besoin, ouais, pourquoi pas l'écouter en même temps, mais on va écouter par contre de la musique alternative, les amis, parce que c'est la musique que j'avais ajoutée, moi, dans mon DLC, dans mon dossier musique, mais oui, parce que nous avons la possibilité d'ajouter des musiques nous-mêmes. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, je croyais que tu pouvais manger, écouter la musique, espèce de crampin, de naze. Ok, le mec, il change de place pour écouter la musique. Ok. Toi, tu me stresses déjà d'avance. Et ta musique? Ok, il veut pas mettre de musique, quoi, le truc. Putain, c'est pas possible. Prochain morceau. Ah, on a toujours le même foutu problème avec le son. On n'a pas de son. Pourquoi? J'en sais rien. Prochain morceau, alors, dans ce moment-là. Non, toujours pas, les amis. Toujours pas de musique. Est-ce que c'est le fait que ce soit une vieille chine fille pourrite? Et voilà, ou alors ces musiques qui sont pas compatibles. Mais je comprends pas, parce que dans GTA, elles fonctionnent très très bien. Et là, elles ne fonctionnent pas. Je ne comprends pas. Enfin bon. Bon, allez, mange vite s'il te plaît mon coco, ouais, parce que j'aimerais bien qu'on fasse autre chose. Nettoyer, tu vas nettoyer ça aussi. Bah, il va faire tout en même temps, de toute façon, à mon avis, j'ai pas besoin de lui désigner ce qu'il doit faire derrière. On va accélérer un peu le mouvement, parce que c'est un peu lent, voilà. D'accord, il danse sa musique. Bah si lui il l'entend tant mieux, moi j'entends rien.
Quel est con ce mec, je vous jure. Ok, ouais, ça te fait plaisir. Tu veux une guitare? Je crois qu'il va falloir qu'on lui achète une guitare. Il a d'avoir envie d'une guitare. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais ça sera dans la nouvelle maison, quoi. Directement, parce que là, ça va être dur. Ça va être dur. Par contre, de toute façon, c'est vrai qu'avec la nouvelle maison, les amis, on va pas pouvoir la construire tout d'un coup, parce que je pense pas qu'on ait les moyens vraiment de pouvoir tout construire en un seul coup. Comme je vous l'ai dit, on va faire comme la dernière fois, en 3 épisodes, la construction de la baraque, parce que ça va être très long. À moins que je le fasse à peine accéléré, mais ça va pas être gagné fortement. Voilà, après l'accélérer, ça peut être faisable. Bon, allez, parce que tu vas bientôt aller au bout. Ah non, quoi, tu travailles pas, donc c'est bon, c'est une bonne chose. Mais quoi, il veut pas nettoyer, mais tu m'énerves, toi. Voilà, bah ton social t'ira plus tard, mon ami. Voilà. Ton social t'ira plus tard, hein, voilà. T'as pas de voisin, là, dans les alentours, là, avec qui tu peux discuter, vraiment, juste histoire de dire de te faire un auto-social. Toi, toi, toi. Présentation grossière amicale. Amicale, amicale. Rafty et Manon ne se connaissent pas encore. Eh ben écoute, ce serait l'occasion pour se connaître. Voilà. Salut. Bon, elle est pas superbe, mais bon. C'est trois fois mieux que rien. Hein? Ah d'accord, parce qu'en plus, elle travaille là, on bosse. Ok, d'accord. Le boulot et l'amour en même temps ne fait pas bon ménage, généralement. Elle est joueuse. Ah, c'est bien, c'est une bonne chose, elle est joueuse. Et puis, s'entendre bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Raconter une histoire dramatique, raconter une blague sur les hommes politiques. Non, on n'a pas de famille, donc se renseigner sur la carrière, ça peut être pas mal. Raftouille apprit que Manon était lycéenne à cet endroit, lycée Buckingham. Attendez, c'est nouveau ça? Donc c'est les lycéennes. Ok, d'accord, c'est bon. Allez, salut. Salut, non, on rentre pas dans ce domaine, nous. Méchant, malice, amical, drôle, activité de groupe, non. On peut pas lui dire au revoir. Faire une intimidation, allez. Oui, oui, allez, salut, salut, salut. Au revoir, nous, on a autre chose à foutre. Lycéenne, d'accord, lycéenne, oui, elle peut très bien avoir fait de grandes études. Ça se trouve, c'est une intello et nous, à côté, on est un gros clampin. Ouais, ok. Chercher des courses à la recherche d'un trésor. Ah bon? Creuser à la recherche. Ah ouais! Attendez. Creuser. Non, on va faire ça. Et voilà. Allez, on va y chercher un trésor. Imaginez quand même, on trouve un gros trésor qui nous rapporte à donf plein d'argent et tout. Ouais, bah tant mieux. Hein. Salut, au revoir. C'était très sympa, oui. Pour toi, pas pour moi. Il s'est un peu emmerdé, mon perso, d'un coup. Ah, regardez, il y a des pépites. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Raftouille a déterré une capsule. Qu'est-ce qu'elle peut bien contenir? On ne le saura pas. Yups, Tombra. Raftouille a une capsule. Qu'est-ce qu'elle peut bien contenir? Hop, stop le temps. Et on va aller voir cette histoire de capsule à la con. Oh, le jus, il plante, hein, ça commence à être pénible, hein, cette affaire. Ah, les capsules, les amis. Capsules mystérieuses, ouvrir. Wow, oh. Qu'est-ce qu'on a débloqué? C'est quoi? Olgabi. Joueuse, encore? Non, mais ils sont pas sérieux, quoi, excusez-moi, mais... Encore? En fait, en gros, on se tape que des personnages, des petites babioles qui savent rien du tout, quoi, en gros, hein, c'est ça, je vous le dis franchement. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, on en aura tenté quelque chose, hein, c'est pas rien. Faut tenter le changement dans la rue, on tenterait, voilà, mon cul. Alors, téléphone, coco, voilà, discuter, propose un rencard, acheter un magasin, vient de commencer, jouer au jeu les Sims 4 pendant 5 heures. Oh, cool! Non, on va faire plutôt ça. Partir en vacances, se déplacer, déménager le foyer, voilà. Allez, salut notre ville, là où on se trouve, je sais même plus c'est quoi comme ville. Est-ce que c'est Sunset Valley? Non, c'est pas Sunset Valley, mais Sunset Valley, c'était sur le System 3. Je sais plus. Ah, c'est la honte. C'est vraiment la honte. Magnolia Promenade, New Squares, t'as nous la New Squares to Munich. New Squares to Munich. Alors, il nous faut un grand terrain. Point Oracle, 50-40. Est-ce qu'il y a plus grand? 40-30. Non, bah, je crois que c'est plus grand. Bon, on va prendre 40-50. C'est un peu grand, je suis d'accord. Mais. Ah, j'ai fait une connerie. En fin de compte, je crois que j'ai fait une grosse connerie. Eh ben écoutez, ça serait bien. Ça serait l'occasion, en fin de compte, je me dis d'un côté. Ça serait l'occasion de recommencer tout à zéro.
Donc ça veut dire qu'en gros, il va commencer avec 3 fois rien, avec 4 murs, un chiotte et un lit. Et après, on va voir l'évolution même de notre personnage. Donc là, ça va être plus intéressant. Là, ça va me donner du punch pour continuer vraiment à aller au plus loin possible. En tout cas, je suis content parce que nous sommes arrivés enfin à News Quest Horror. Bienvenue à News Quest, les amis. Et voici dans notre ville principale. Oui, je sais, je suis désolé, Coco. T'as un peu d'argent, t'as 9000, on va te construire ta maison, allez. Bon, bien sûr, t'as pas une maison superbe. Oh, le jeu, tu me gonfles. Alors, on va fabriquer nous-mêmes les murs, hein. Je vous dis franchement, ça va être assez costaud. Voilà, on va prendre un outil de pièce, carrément. On va pas se casser la tête. Voilà, on va faire un truc sympatoche. Voilà, une belle maison. Pas trop grande, comme on avait auparavant, vous savez. Je sais pas si vous vous en souvenez. Voilà, ça nous a coûté quand même 9000. J'en ai un peu mal aux fesses. Ouais, ah, on peut fabriquer des pièces carrées et tout, ça c'est cool. Mais... ou alors, on refait carrément une maison, mais... autrement. Pourquoi pas? Ouais. Vous savez quoi? On va fabriquer une maison, mais carrément autrement. Ça veut dire que... ça va pas être un truc de fou furieux. Mais vous allez voir. Ça va pas être la plus belle. La poubelle même, je dirais. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Ça ressemble à quoi, son machin? À rien. À rien, ça ressemble à rien, je vous le confirme. Voilà. Oh, les gars, c'est pas beaucoup de sous. On va garder un peu d'argent quand même, parce que... ça va être assez costaud. Hop. Voilà. Oblige, de toute façon, de faire des pièces comme ça, en 4. On va pas faire un truc super immense non plus. Pour faire ça là, ça ira très bien. Ici aussi. Voilà. Alors, petit topo de ce que j'ai à peu près. Je sais à peu près de ce que je vais faire. Vous allez voir, c'est dans l'ensemble, c'est pas bête comme idée. Oui, c'est pas bête comme idée. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Vous allez voir, vous allez comprendre. Alors, ici, les amis. Ici même, ça sera la cuisine. Ici, le salon. Là, ici, la salle de bain. Ici, une salle de sport pour faire un peu de sport, logique. Et ma chambre. Et puis on fera un étage éventuellement si on a des enfants, une femme, tout ça, vous verrez, c'est assez sympa. Et puis ici, ce sera le couloir, parce qu'ici, il y aura une porte pour accéder au jardin. Et au jardin, on fera une grande piscine et vice-versa. Enfin bref, je vais pas tout trop vous en dire parce que je compte quand même en garder pour la suite. Hein, autrement, ça serait trop dévoilé tout d'un coup. Mais maintenant, il nous manque les principales choses. Des chiottes. Est-ce qu'on en a un petit peu en stock? Oh, on a une lampe. Bon, bah écoutez, on n'a rien du tout. On a que Chiwelux. Ok, super, quoi. Ben, ouais, des toilettes. Au moins des toilettes, si possible. Parce que, bon, ben, voilà, quand on va prendre des toilettes vraiment très, très bas de gamme. Alors, par contre, pour l'installation des toilettes, je ne sais pas où les mettre. Ouais. Écoutez, on va les mettre là, hein. C'est pas... pas très... oui, ils vont bien, là. Oui, ils vont bien. Ouais. Ouais. Là, ça me chagrine un petit peu, ici, les toilettes. Pourquoi pas là? Allez, pourquoi pas là? Une baignoire. Ah, oh, on n'a même pas les moyens pour se prendre celle-là. On n'a même pas les moyens, quoi. Ouais, la baignoire, on va pas la mettre là, on va la mettre là. Est-ce qu'elle irait bien, là, la baignoire? Non. Non, c'est pas trop sa place. On va mettre ça là. Ouais, elle est un peu grande, la salle de bain, je l'admets. J'ai fait une grande salle de... oh, il en a 133 simflouz. En fait, on n'a plus rien, quoi. Et on n'a même pas assez pour s'acheter un lit, quoi. Et mais il déporte. J'ai pas réfléchi sur ce que... j'ai acheté une baignoire et tout parce qu'il va puer le mec et... putain, c'est pas possible, quoi. On va mettre des portes bas de gamme, hein. On a même pas les moyens, quoi. Putain. 90, quoi. Au moins pour rentrer chez lui, quoi. Ah, il a pas les moyens. Il a pas les moyens. Comment on va faire? Telle est la question. Et je ne veux pas cheater le jeu parce que j'aime pas, j'ai envie de continuer personnellement comme ça dans la légalité. Tu sais, normalement, comme ça je casse pas le let's play. Mais là, ça m'a un peu dans la panade. Alors il va falloir qu'on revende des trucs, les amis, je crois que on en a ça en stock. Et on peut en revendre. Ouais, bah, voilà. Ouais, 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 ouais. Et bah écoutez, direction ça, et combien? Oh, 165 la lampe. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va pouvoir au moins acheter des portes, quoi. Au moins des portes, quoi. Pour accéder au moins à ici.
Ouais, ça va être costaud, mais bon, je vous le dis franchement, c'est comme je vous expliquais, les amis, ça va pas être la folie furieuse, quoi, notre maison. Alors, ça, on peut le revendre, 110, oh, ça fait de l'argent, ça fait de l'argent. Faut l'avouer tout de même qu'on se gagne pas mal d'argent. Ouais, mais j'ai pas tout revendre, à moins qu'on peut, mais... C'est quoi? Ouais, pour le vendre. C'est quoi, ça? Poppy, non, on va le garder, ça. Platinium? Ouais, non, allez, vas-y, balance-moi ça. C'est bien racheté en plus, putain. C'est bien, bien racheté. Ouais, ça aussi. Putain, mais il va me saouler, en fait, à chaque fois qu'on va... on va essayer de revendre un truc, quoi. Le système de vente, bonjour. Le système de vente, bonjour. Bon, de toute façon, c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, on se fait de l'argent, hein, comme on dit. Les améliorations électroniques. Ouais, bon, on n'a pas trop besoin. Ça aussi. Ah oh, ouais, parce qu'on avait même des arbres. Et j'ai tout vendu pour rien. Ah ouais, j'ai fait trop le con. J'ai même pas de frigo, quoi. Le mec, il a rien chez lui, quoi. C'est un clochard. Ouais, après, on va gagner pas mal d'argent. Parce qu'on a fait quand même le plus gros. On a quand même fait les murs. On a quand même au moins un lit. On a au moins une salle de bain. À peu près. Mais même pas du tout potable. L'eau de légumes. Ouais, l'eau de légumes. Non plus. Ouais, ça, on s'en fout un peu de la clé à molette. Ouais, oui. Si on avait sur à peu près 2000, ça serait super cool. Ça rachète pas grand chose. Ça rachète pas grand chose en fait. Je pensais que ça rachetait mieux. Mais pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Ouais, d'accord. Avoir gagné 5000. Non, mais il les a pas gagnés, hein. Ouais, quoique, peut-être avec le temps. Peut-être que si, peut-être que si. Non, pas Poppy. Voilà, bon. Stop le temps. Maintenant, je vais réfléchir un petit peu à comment je vais gérer ça. Alors, écoutez. On n'a pas fait les sols. On n'a pas fait la déco des murs. On n'a rien fait du tout encore pour le moment. Et on en est très, très loin. Du reste. Donc il va vraiment falloir, les amis, gérer d'avance pour qu'on puisse vraiment déplacer cette foutue maison et la rhabiller. Parce que bon, bah, je trouve aussi le terrain est un peu loin. Et puis on n'a pas beaucoup d'espace derrière pour faire la piscine, quoi. Est-ce qu'on a, la place pour faire la piscine? Est-ce qu'on a la place pour faire une piscine? Ça va être chaud chaud, quoi. Non, la piscine, ça va être dur, les amis. À moins que... Attendez, j'ai une petite idée. Voilà. Non. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà, en fait, il y a une technique. Voilà. On va la déplacer ici. On va même la rapprocher encore. Voilà, comme ça, on a un grand, grand terrain derrière. Bonne chose. Bonne chose. Allez, en mode construction, on continue un petit peu la construction de notre maison. Non, construction, s'il te plaît, merci. Voilà, donc meubles, bon, bah, écoutez, la salle de bain, pour le moment, on va l'abandonner, on va la laisser un petit peu sur le tas. Puis on va commencer à acheter un petit peu un lit potable. Bien sûr, 1400, on va pas l'acheter. Beaucoup trop cher pour nous. Ben ouais, le plus classico, ce qu'il peut y avoir, hein. Je suis désolé, mais là, je vois pas acheter des lits trop chers non plus. Ouais, bleu, allez. Bleu. On va le mettre là, ton lit. Je peux pas faire autrement pour le moment. On n'a pas de porte pour accéder au salon. On n'a pas. Bon, on a strict minimum. On va équiper un peu la cuisine d'un frigo. De toute façon, tout ça, ça sera fait au fur et à mesure. Mais comme je vous ai dit, je veux pas cheater le jeu. Parce que j'ai vraiment envie de jouer loyal. Et de toute façon, généralement, même dans la vraie vie, quand on commence quelque chose. On commence, on s'installe dans la vie. Au début, c'est pas facile, quoi. On galère un petit peu parce qu'on n'a pas tous les meubles qu'il nous faut. Donc c'est vrai que tout ça, ça rentre dans le contexte aussi un petit peu. On va essayer de rentrer un petit peu dans la réalité, mais c'est pas non plus plus gravissime, quoi. Voilà, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça qu'il faut se dire. Un petit meuble histoire déjà de un plan de travail moderne. Ouais, bon, bah, pour la couleur, on reverra ça. Quoique, attendez, est-ce qu'on peut choisir la couleur directement maintenant? Ouais, ok. Attends. C'est ça.
Voilà. On va se mettre un petit évier. En plus, on a des nouveaux éviers. Ah ouais, sympa. Pour la salle de bain, ça ira très bien. Pour la salle de bain, je dis bien. Non. Celui-là. Voilà. Allez. Il nous reste 576 euros. On va en garder un petit peu parce que si, imaginons, les amis, on doit faire un barbecue pour manger. Et vice-versa, même mettre une porte pour l'extérieur, même pour accéder à la cuisine, quoi. Je veux dire, on n'a même pas les moyens d'accéder à la cuisine. On n'a même pas les moyens d'accéder à la cuisine. C'est pas là-dedans, non? Non. Ouais. Alors, attendez, ce que je sais... Ah, voilà, c'est ça que je voulais, des arches. Mais par contre, les prix, ils font mal aux fesses. Ouais. Ouais, ça peut être sympa, ça. Bon, alors, je mets une arche, les amis. Pourquoi? Parce que je vais faire un accès ici à notre maison. En fait, depuis le salon, je veux qu'on puisse accéder directement à la cuisine sans trop se faire chier, tout simplement. Voilà, ça va être assez sympa, vous allez voir. Ça va donner du potentiel à notre maison. Voilà. Sur les portes, on ne les verra pas, donc... ça, c'est pas trop non plus le problème. Ah, il nous reste 206 euros. 206 euros. Est-ce qu'on peut mettre une porte à l'extérieur? Telle est la question que je me pose. Oui, on peut. On peut se mettre au moins celle-là. Ouais. Ouais, bah c'est bon. De toute façon, c'est ce que je voulais mettre. Alors, on est deux cas suivants. En plus, parfait, quoi. Parfait. J'ai calculé vraiment avec ce prix pour que ça rentre vraiment pile poil. Regardez, c'est pile poil la taille un mur. Un pan de mur chacun, de chaque côté. Je suis très pointilleux dans ce domaine, vous allez me dire, ouais, t'es très pointilleux. Oui, je suis très pointilleux, mais j'aime bien que les choses sont bien faites. Vous allez voir, je suis comme ça, mais j'aime bien quand c'est propre. 165. Porte ici pour accéder au salon. Ouais, d'accord. Ok. Est-ce que je peux le transvaser ailleurs, cette espèce de clampin? Oui, il est coincé. Vous allez me dire qu'il est coincé. Il est coincé. Putain, c'est pas possible. C'est vraiment un niglé, ce mec. Bah, on a pu casser un mur à cause de lui, là. Tu fais chier, hein. Bah, bah, pour ton social et ton activité, personnellement, tu vas... te casser la gueule, là. Oh, ça va mieux d'un coup. Le jeu lag moins. Allez, fais dodo. Fais dodo. Bon, bah écoutez les amis, hein, on a bien avancé quand même dans l'ensemble. Alors, je vais venir un petit peu au sujet de ce foutu DLC qu'ils ont fait Patio. Alors écoutez, je vais vous dire pourquoi je l'utilise pas. Tout simplement les amis, je trouve que un DLC 10 euros juste pour avoir un foutu jacuzzi et quelques meubles qui va servir à trois fois rien qu'on a déjà eu, comme le bar, tout ça, on en a déjà eu pas mal entre temps. Excusez-moi. Bah 10 euros, ça fait un peu cher pour avoir un bain à remous. Donc je vois pas l'intérêt vraiment de mettre 10 euros dans un DLC avec 3 meubles et un slip, excusez-moi du mot, mais pour avoir un t-shirt et un bar et un bain à remous, franchement, excusez-moi, moi je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. C'est même trop cher. Vraiment. Maintenant 10 euros, je dis pas que c'est une somme astronomique, bien au-delà. Mais surtout, c'est que moi je trouve que 10 euros... pour un DLC, il ne présente pas le contenu pour le prix qu'il propose. En fait, c'est ça, c'est le contenu. Alors, j'ai un truc que j'ai remarqué un petit peu maintenant. Si vous avez bien remarqué, par rapport au Sims 4. Le Sims 4, se regarde, c'est le Sims 3, excusez-moi, désolé. Sur le Sims 3, il nous fait des DLC assez gros, à peu près entre 20 et 30 euros de DLC. Il y en avait. Et c'était plutôt bien, parce qu'on avait plein de contenu, on avait plein de choses à faire. Tandis que là, il nous faut un DLC à 10 euros, on a 3 meubles, ça y est. 10 secondes, vous avez fait 2 manips, c'est fini, vous avez déjà tout testé. Moi, je préfère les gros DLC en bloc. Vous voyez, à peu près entre 20 et 30 euros. Bien sûr, ça fait un peu cher pour d'autres, comme pas cher pour certains. Mais, et si on regarde bien, on met de l'argent de côté. Vous mettez de l'argent de côté ou vous économisez tout ce que vous faites comme vous voulez. Mais autant acheter un DLC à 30 euros plus gros, avec plus de contenu, qu'un DLC petit à 10 euros. Où vous avez à avoir 2 meubles. Et moi, je le sens bien, cette affaire, les amis, qui vont nous proposer des petits DLC comme ça. Alors, en gros, ça va être un DLC par mois qui vont nous pondre. Moi, je préfère les gros trucs comme le DLC au travail. Parce que là, c'est même pas un DLC, excusez-moi. C'est un kit de luxe. Donc, c'est un kit d'objets.
Pourquoi faire des kits d'objets? Ils en font un une fois de temps en temps. Ok, d'accord. Mais un kit d'objets une fois par mois, je trouve aucun intérêt. Non, le truc que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'était vraiment le kit d'objets, le DLC au travail, DLC destination nature. Ça, c'était du DLC. Ça, c'était du contenu. Pour le prix qui valait, entre 10 et 20 euros. Même voire 30. Là, il y avait quelque chose de potentiellement joli. Voire même abordable pour son prix. Ce qu'il en proposait. Mais quand on regarde, parce que je me suis permis de regarder les commentaires parfois de d'autres personnes qui discutent sur les forums, et beaucoup qui le disent, ça fait cher pour ce que c'est. Et je suis 100% d'accord avec ces personnes qui disent que c'est cher pour ce qu'ils proposent. Donc, personnellement, vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, mais moi, personnellement, à mon point de vue à moi, c'est cher et ça vaut rien. Voilà, c'est mon point de vue. Maintenant, je dis pas qu'un jour, peut-être que je l'utiliserai, parce que je vais être obligé d'y passer. Mais pour le moment... Et je vois pas d'intérêt. Voilà. Tant qu'on n'a pas le truc avec de nouvelles animations, style plage, connerie comme ça, je... Oh my god! What? Il a grandi. Il a vieilli le con. Bon. Bah écoutez. Voilà. Bon, voilà, c'était tout ce que je voulais dire par rapport à ce DLC. Tout simplement que c'était un peu cher pour ce qu'il se proposait. Donc personnellement, pour ma part, je ne l'utiliserai pas pour le moment. Voilà. Trop cher pour ce qu'il propose. Je trouve aucun intérêt. Maintenant... Vous n'avez plus qu'à me dire, vous, dans les commentaires, si j'ai raison ou si j'ai tort dans ce que j'ai dit. Voilà. Moi, personnellement, je sais qu'il y a une part de raison. Bon. Raftouille a vieilli. L'âge adulte au programme. Rêve réalisé. Retraite à préparer. Crise de la quarantaine. Alors, il n'y a pas de temps à perdre. Attends, on a déjà vieilli. Et on n'a pas de femme, on n'a pas de gosse, on n'a rien. Il serait peut-être temps qu'on s'y mette. Eh ben, écoute, je peux pas te proposer de faire un gâteau parce que mon pote, t'as rien. Cuisiner, prendre le petit déjeuner, pancake, brouiller, toast avec œuf. C'est vrai qu'il a même pas de table, le pauvre. Ah, oh, bordel, on n'a pas mis de table. Enfin, qu'on ajoute une table. Bon, c'est vrai que sa maison, elle est grande comme ça visuellement. Moi, j'aime beaucoup la maison. Après, c'est la déco des murs. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Vous allez voir que ça va être sympa quand même quand on va refaire la maison un petit peu une fois de temps en temps comme ça. Ça va être assez joli. Allez, mange. Et puis après, on se laissera là pour aujourd'hui, les amis. Pour l'épisode des Sims 4. Hein, voilà, sur la suite de notre nouveau let's play. Ça me fait du bien en tout cas de changer un peu de let's play comme ça entre temps. Ça change un petit peu au niveau du jeu. Bon, au moins il a strict minimum. Hein. Il a au moins une douche et tout ce qu'il faut. Pourquoi il pleure? Ah! Ah, Nina. Nina qui était appelé pour discuter, répondre oui. Voilà, ça remonte ce social, il est content, il discute avec Nina, en plus c'est sa copine. Donc... Est-ce qu'il peut téléphoner et faire à manger en même temps? Ça, c'est la question que je me suis toujours posée. Non. Apparemment, non, ça a peur d'être dans ses cordes. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il mange? Ok, d'accord, il mange comme ça. Bon, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas? Ah, on n'a pas de poubelle! Je suis en train d'y penser à cette heure-là. Si on met pas de poubelle, les amis, ça va peut-être pas trop le faire, non? Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si on met pas de poubelle, ça va pas trop le faire. Ce serait peut-être temps qu'on en mette une quand même. Au moins une poubelle. Même pourri ton. Poubelle par science. Combien? 80? 50, non, il est moins cher. Je suis un peu radin. Vous allez mettre vraiment une pince, Raph. Hein. Oui, je suis une pince. Mais chaque frais compte dans ce foutu jeu là. Ouais, non, on va la mettre là pour le moment, elle gênera pas. Et je vais lui mettre au moins une petite tape parce que là franchement le pauvre, il mange debout, on dirait un clochard. Bon, on dirait il est pas riche non plus. On a même pas les moyens de mettre une poule. Ben non, ils sont pas sérieux. On a même pas une chaise quoi, on est vraiment des gros clochards quoi. Oh putain, c'est pas vrai. Non, mais j'ai même pas les moyens de mettre un comptoir non plus, histoire de dire de vas-y, on va au moins se mettre à table, au moins sur un comptoir pour manger. Mais même pas le mec, quoi. Ah, oh, il a rien. Oh, mon dieu, je rigole tout seul, quel con. Est-ce qu'il peut se payer une chinifi? Non, à mon avis, non, la chinifi, faut même pas y compter. Il va falloir même pas le compter.
Bon, bah, en tout cas, les amis, moi, je vous propose qu'on se laisse là pour aujourd'hui sur l'épisode des Sims 4 avec notre ami Raftouille, qui a changé complètement de maison et qui est reparti de zéro sur la construction de sa maison. Ça, c'est bien, comme ça, en même temps, bah, on pourra faire un autre goût. Voili, voilou. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que tout ce que je vous ai dit sur le DLC... sur le kit d'objets, excusez-moi, le kit d'objets, je reviens toujours au mot DLC, mais enfin bref, c'est un peu... Voilà, je confonds un petit peu, enfin bref, je confonds pas, mais non, mais... Enfin, bon, voilà. En tout cas, j'espère que tout ce que j'ai dit dessus aura donné quand même une part de raison à vous de me dire maintenant ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien, n'hésitez plus à venir liker la vidéo, laisser vos commentaires, et à me dire surtout aussi ce que vous avez pensé de ce nouveau Let's Play avec ce nouvel épisode et sa nouvelle vie dans sa nouvelle maison. Voilà, moi, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous. Tchuss! Allez, Raftouille, va manger.